Bonsoir, bonjour à l'heure à laquelle tu vas regarder la vidéo. Donc là je viens de faire mon shampoing. Là je sors d'une période de 1 mois sans tourner mes cheveux. Donc j'ai fait un shampoing, j'ai mis la... Normalement la vidéo est déjà postée ou peut-être pas, je sais pas. Je te ferai une revue des produits que j'utilise par contre en plein jour et sur mon autre caméra parce que là sur mon téléphone tout est à l'envers et c'est pas top. Et comme il fait sombre là, déjà, je suis dans ma salle de bain. Donc, je t'explique ma routine. Quand j'ai fait mon shampoing et que je ne veux pas tourner mes locks, j'ai prévu de ne pas tourner mes locks durant un mois ou selon votre choix, une semaine, deux semaines, trois semaines. C'est vous qui choisissez. Moi, j'ai dit un mois. J'ai dit, bon, voilà, tout le mois de juillet, je ne tourne pas. Après chaque shampoing, je badigeonne mes cheveux soit de la chantilly karité des secrets de Loli, soit de ma chantilly de mango butter homemade. Ok, c'est chantilly de mangue ou ça, je mélange pas les deux, j'ai jamais testé d'ailleurs. Faudrait peut-être que je les mélange, ça doit être un bad trip quand même. Bref, c'est soit ça ou soit ça. Donc ce soir je vais prendre ça. Donc ce message est pour Joops qui m'avait posé la question, qui m'avait dit oui ben voilà, toi tu mets ta chantilly de karité au réfrigérateur et moi quand je l'enlève j'ai bien utilisé, c'est dur, c'est vrai que c'est dur, mais bon tu vas bien constater que sous les contours après tu peux l'utiliser. Si par exemple tu sais que tu vas utiliser ta chantilly, ben avant ton shampoing tu la mets dehors. Moi je préfère la mettre au réfrigérateur. Donc voilà, je l'ai sortie, vous voyez, elle est voilà, elle a déjà fondu. Moi, je badigeonne toute ma tête. Ainsi, voilà, je badigeonne toute ma tête. Comme ça, mais vraiment par parcimonie. Et ensuite, chaque, voilà, chaque section, disons, section, je remets un peu de la chantilly. Voilà. Je remets un peu de ce que je vais mettre dans chaque section et je note. Je fais vite. Mon challenge, c'est de faire une vidéo de 5 minutes, pas plus. Parce que, voilà, hein, j'ai des abonnés qui me disent « Ouais, tes vidéos sont trop longues, voilà. » Voilà. Tes abonnés. C'est moi toute seule qui dis ça. Voilà, je rebadigeonne, vous voyez, je mets un petit peu. Faut pas avoir peur, oui, c'est cher, nanana, mais faut mettre... Parce qu'après moi je n'en mets plus dans la semaine. Voilà. Je mets plus de chantilly, je mets plus de produits, je vaporise pas mes cheveux. Moi je ne vaporise pas mes cheveux parce que j'ai constaté que ça mettait mes cheveux par terre. Ça jetait mes cheveux. Donc moi je suis contre les vapos. Alors il y a ceux que ça sèle ou ceux où ça va aller très bien avec leurs cheveux. Ben tant mieux pour vous, mais moi je ne le fais pas. Voilà. Je fais la même chose ici. Alors, vaut mieux séparer en deux déjà et placer de la chantilly de qualité partout. Voilà, il me reste une minute. Top chrono, ouais! Il doit être minuit et je fais une vidéo pour mes abonnés. Après, on dit que je suis méchante et que je suis absente sur YouTube. C'est pas bien. J'ai fait tout mon possible pour vous faire une vidéo. Je sais même pas si vous m'entendez parce que je peux pas m'amuser à gueuler dans le truc. Ouais, alors, ouais, voilà, vous faites ça alors que c'est dans ma salle de bain. Voilà, donc je ressemble à une actrice de. Comment ça s'appelle encore? Je sais plus, La Maison dans la Prairie peut-être. Pas, il semblerait que c'est ça les références. Quand on est coiffé comme ça, on fait référence à Nunavu. Je ne sais pas, je ne me rappelle pas avoir cette série. Voilà, donc je fais 4 nattes. Le glamour, c'est top, c'est beau. Donc voilà, je fais 4 nattes. Je les attache comme ça. Voilà, je les attache. Ensuite, je prends un foulard. Franchement, si quelqu'un peut me dire où ils achètent leur bonnet noir en satin, vous me dites, parce que vraiment là, pff,
sais pas où faire ça. Je sais pas où les acheter. J'attache ma tête comme ça. Hop, hop, hop. Je reprends un autre foulard. Bon, on va pas faire glamour hein, pour la vidéo. Voilà. Hop. Les garçons qui regardent la vidéo doivent se dire ouais, mais bon, moi, je n'ai pas mis à faire tout ça. Je sais que vous, vous avez le sorte de bonnet en satin noir. Hein? Et je vais dormir. Voilà, j'ai fini. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. De la routine, de comment je fais pour entretenir mes cheveux. Donc, je mets juste la chantilly dans ma tête après mon shampoing. Et c'est fini. Je ne mets plus rien. C'est-à-dire que, pardon, demain matin, quand je vais me réveiller, je dénate. C'est tout. J'ai fini. Soit je mets un bandeau, soit je mets un élastique. Et je ne mets plus rien dans ma tête toute la semaine jusqu'à mon prochain shampoing. C'est tout. Je suis crevée, ça se voit sur mon visage. Je vous fais de gros bisous. À bientôt. Bye. Et merci pour vos abonnements. Laissez des commentaires ou allez dans la vidéo foire aux questions. Bye.